qui en est en direct. Allô, François. François, allô. Nos amis, Cécilia, Nathalie. Bonsoir, bonsoir. Lina, allô. Mes amis, Lina. Réjean. Allô, Réjean. Bonsoir. Liliane. Liliane, allô. Daniel, André. André Perrault. Ah! Allô. C'est beau. Annie. Allô, Annie. Bonjour, bonjour. Bonjour, il faut que je te reprenne, il faut que je dise bonsoir. C'est mon tour. Manon. Allô, Manon. Allô, Marcel. OK, avais-tu quelque chose? Peut-être après, j'ai quelqu'un à saluer après. Okay. Caroline, bonsoir. Allô, Caroline. OK, je vous ai parlé les dernières semaines là, concernant un changement là, au niveau de la diffusion. Là. On est encore sur Facebook parce que j'examine encore d'autres options. Il y a, allô, Michel. Michel, Joanne Allary, Denis, Nathalie. Salut, Denis, Nathalie. C'est ça, il y a d'autres. Je regarde d'autres options pour diffuser. Là, c'est pas clair encore parce que il y a, bon, Facebook ont déjà commencé à. Peut-être c'est moins évident ici, là, mais aux États-Unis, à enlever des posts, des gens qui postent des choses là, chrétiens, genre des versets bibliques, des choses de même. Il y a vraiment une espèce de guerre pour faire taire. Les chrétiens, peut-être si vous êtes au Québec, là, vous ne voyez pas ça. Moi, ben, j'ai beaucoup de contacts aux États-Unis, là, puis même en Europe. Puis il y a un mouvement qui est là pour essayer de faire taire les gens qui ne se conforment pas. Là, ça va avec ce qu'on vous disait l'autre jour dans le livre d'Esther, un peuple qui ne gère pas sa vie comme les autres. Là. Mm-hmm. Ça fait que actuellement, je vais vous donner un autre. Ce que je cherche, c'est une place qui ne peuvent pas se faire fermer par les grands de l'informatique, là, Google, Facebook, Amazon et compagnie. Ce que j'ai trouvé à date, là, ce qu'il y a de mieux, c'est gab.com. C'est un chrétien qui gère ça. Ils ont leur propre serveur, donc ils ne peuvent pas se faire fermer par les autres. Ce n'est pas une application. Donc, elle ne peut pas être cancellée par Google App puis Apple. Ils croient aussi beaucoup dans la liberté d'expression. Bon, la liberté d'expression, ça me permet de dire des choses qui peuvent choquer les autres. Bon, ça ne me permet pas de les menacer puis de faire des déclarations de mort, là. Mais ça va jusqu'à dire des choses qui pourraient offenser des autres. Bon, ce n'est pas notre objectif, mais si on commence à policer la liberté d'expression, ben c'est où ça arrête, où ça commence. Là. Si on commence dans cette ligne-là, à un moment donné, il n'y a plus personne qui a le droit de parler. Puis le problème, c'est que c'est toujours un petit groupe de gens qui décident ce qu'on a le droit de dire ou non. Puis actuellement, ces gens-là sont loin, loin, loin d'être chrétiens puis de valoriser les valeurs chrétiennes. On le voit avec les grands là, actuellement qui font toutes sortes de coupages, de
de matériel chrétien et d'autres aussi là, qui ne sont pas nécessairement d'accord avec les autres. Prenez le Seigneur. Le Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a le pouvoir de faire fermer les autres, c'est lui, là. Il peut faire fermer tout le monde d'un coup, là. S'il a fait à la tour de Babel, il a amené la confusion des langues, il pourrait fermer toutes les langues aussi. C'est son pouvoir. Puis il ne le fait pas. Même les gens qui insultent Dieu, qui se moquent de lui, le Seigneur ne les arrête pas. C'est que si on pourrait dire l'ultime liberté d'expression, c'est le Seigneur qui la donne. Bon, est-ce que ça veut dire que nous, on peut dire n'importe quoi? La réponse, c'est non, parce qu'on est chrétien et on est régi par un système de valeurs que le Seigneur nous a donné. Mais de l'autre côté, le Seigneur, il donne ce système de valeurs-là au monde. Ceux qui veulent le prendre, ils vont l'embrasser. Puis les autres qui ne veulent pas, le Seigneur ne les rejette pas et les détruit pas non plus. OK? L'autre chose que j'ai aimé de ce site-là, c'est qu'il y a possibilité d'avoir son pays, on peut avoir une TV, c'est qu'on pourrait avoir une émission. Actuellement, ils grandissent tellement vite que souvent, il y a des coupures ça ne marche pas finalement, là, parce que je pense qu'ils ont grandi de plusieurs millions d'abonnés dans l'espace d'une semaine. Fait qu'ils ont de la misère à gérer la croissance, mais ils s'adaptent. Fait que ça pourrait être une option, mais j'ai pas fini d'investiguer. Fait que pour un bout, on va quand même être sur Facebook ou sur YouTube si vous allez sur de l'autre côté là. Puis on est aussi dans MeWe. S'il y en a parmi vous qui vous êtes là-dessus aussi, vous avez vu des vidéos, là, j'ai commencé à en poster. OK. Ça va être. Gethsémané, non? Oui, en arrière de nous autres, c'est Gethsémané, le jardin de Gethsémané, près de Jérusalem. C'est là que Jésus, dans le fond, a décidé ultimement de suivre le Père, ce que le Père voulait. Là. C'est une place de décision, on pourrait dire. Puis même les places, ça dit, c'est le jardin du pressoir. Il y a des olives, puis il y a une presse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, une olive, mais c'est pas mal sec. C'est que pour sortir de l'huile d'une olive, il faut que tu la presses pas mal, là. C'est qu'il y a quelque chose dans ça, l'huile, l'onction, la présence de Dieu, le pressoir, le jardin du pressoir, où est-ce que Jésus était mis sur une énorme pression de soit je fais ce que je veux ou je fais ce que le Père veut. Puis je pense que nous, on est un peu appelés à ça aussi, pas un peu, pas mal, mais c'est pas nécessairement facile d'aller à Gethsémané. Si on peut dire spirituellement. Là. OK, aujourd'hui, je veux parler une vie qui vaut la peine d'être vécue. Ça, c'est mon titre. Là. Vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec ça. C'est dans Matthieu 19, 27. C'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui parle. Matthieu, c'est un des évangiles. Là. Le premier évangile dans le Nouveau Testament, le premier livre. Pierre prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? » Okay? La phrase « Quand sera-t-il pour nous? » dans d'autres versions, là, j'étais voir en anglais, dans plusieurs versions en français, puis ce que ça dit finalement, c'est « Qu'est-ce qu'il y a pour nous dans ça? » Si j'embarque dans ça, qu'est-ce que ça va me donner? Ça donne quoi? On pourrait dire ça en québécois, là. Ça donne quoi d'embarquer dans ça, la vie chrétienne? Ça donne quoi de suivre Jésus? Qu'est-ce qu'il y a pour moi dans ça? Puis, Pierre, je pense, en posant cette question-là, il y a un peu un petit côté égoïste, là. C'est quoi ma part? C'est quoi que ça va me donner? Mais en même temps, il y a une autre façon de voir cette phrase-là quand il dit « Quand sera-t-il pour nous? Hein? » Qu'est-ce qui va nous arriver? Puis ça aussi, ça peut être une peur. Si je donne ma vie au Seigneur, si je pense qu'il y en a parmi vous autres, peut-être des plus jeunes chrétiens ou d'autres plus vieux, là, mais quand on donne notre vie au Seigneur, souvent, dans beaucoup de cas, notre famille se tourne contre nous autres puis commence à dire qu'on s'est fait embarquer d'une secte, puis bon, ils veulent ton argent, puis tu ne bois plus, qu'est-ce qui se passe? On ne te reconnaît plus. Puis là, bon,
qu'est-ce qui va m'arriver avec tout ça, où ça m'amène, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que ça donne. Hein? Je pense que c'est des bonnes questions. Si on veut nous-mêmes avancer, il faut qu'on s'y pose ces questions-là. Puis tu sais, le Seigneur, s'il est vraiment le détenteur de la vérité ultime, c'est impossible qu'il ait peur des questions. Mm-hmm. Tu sais, la vérité, elle peut être questionnée de tous côtés, elle demeure la vérité. Hein, quand tu triches, il y a tout le temps un côté que tu te fais prendre. Fait que le Seigneur, que nous, on pose des questions, c'est bon, c'est sain, ça nous fait avancer. Donc, on ne veut pas non plus vivre dans le doute, puis constamment, tu sais, poser des questions, puis pas croire, c'est la même chose. Hein? Il y a des fois, Dieu ne répond pas aux questions. Il va te dire, ben, que t'importe, toi, suis-moi. Là. Ou, tu sais, s'il y a des choses que Dieu révèle, ça dit dans l'Ancien Testament, Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs et les prophètes. Il y a des choses que Dieu va nous révéler. Il y a d'autres choses qu'il faut juste simplement croire et continuer à marcher. Souvent, ça va nous être révélé dans le temps par la suite. Okay? Je suis au Matthieu 19, 27. Là, je suis rendu au verset 29. C'est Jésus qui parle. Il dit « Quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, ou sa femme et ses enfants, ou ses terres, ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Dans un autre, il y a deux places que cette histoire-là est racontée. Ça dit « Il va recevoir dans cette vie ici, puis dans la prochaine, plus que ce qu'il a perdu finalement. Okay? » Quand il dit « quiconque aura quitté à cause de moi, à cause de mon nom. Okay? » Ça, c'est important qu'on comprenne ça, là, que je n'utilise pas ce verset-là pour me débarrasser de mes responsabilités puis fuir ce qui arrive là, finalement. Okay? Quand il dit « à cause de mon nom », ça veut dire qu'il me le demande. Bon, est-ce que Dieu me demande de faire toutes ces choses-là? Probablement pas. Peut-être oui, peut-être une des choses. Peut-être qu'il ne me demandera jamais. S'il me le demande, puis j'obéis, il dit, tu ne seras pas perdant finalement, ce qu'il dit. Puis je pense que dans tout ce qui est nommé là, on pourrait dire la plus grande chose que je peux abandonner, c'est moi-même. Ça commence là. Hein? C'est plus facile d'envoyer quelqu'un d'autre à l'abattoir que nous-mêmes. Hein? Je pense que vous comprenez ça. S'il parle de ça, comme je vous dirais, abandonner ma maison, ma famille, tout ça, c'est toute une chose, mais m'abandonner moi, c'est plus grand encore que ça. Puis ça commence là. Je ne peux pas envoyer, dire à Julienne, ben vas-y, toi, vas-y, suis le Seigneur, Julienne, là. Je vais voir ce que ça va donner. Là. Puis si je veux que tu ne souffres pas trop, je vais suivre après. Non, l'appel est fait à moi. Elle est faite aussi à Julienne. Mais que Julienne réponde ou non, je ne peux pas dire, ben Seigneur, tu sais, moi, je n'ai pas pu te servir parce que Julienne, elle ne voulait pas te servir. Ça ne marchera pas sur le royaume de Dieu quand on va arriver devant le Père. Là. OK? Puis ce n'est pas une raison non plus de mépriser l'autre puis de le bousculer. Hein? Chacun de nous autres, on a une vitesse qu'on avance. On a différentes choses que Dieu travaille dans nos vies. C'est que Dieu peut être en train de travailler quelque chose dans ma vie. Puis juste au côté, il y a une autre chose qui fonctionne très bien. Puis la personne à côté de moi, cette chose-là, puis moi, va bien, lui, ça va mal. Bien, je ne peux pas comme mépriser l'autre parce qu'il n'est pas avancé autant que moi dans un domaine où ce que moi, j'ai fait des progrès. Okay? Fait que quand on s'examine, c'est mieux de s'examiner nous autres mêmes, là. Si vous êtes un petit peu honnête, quand on s'examine nous autres-mêmes, on n'a pas vraiment le temps d'examiner les autres. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les aider. Okay? Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Hein? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Il y a des gens qui commencent, puis ils finissent pas. Il y en a qui commencent à la fin de leur vie, à la dernière minute. Puis, ils sont sauvés pareil. Hein? Des gens qui viennent au salut sur leur lit de mort, on en connaît. On a amené des gens à la fin de leur vie au Seigneur.
D'autres qui viennent très jeunes. Il y a des témoignages de gens qui ont commencé à servir Dieu à 6 ans, 5 ans. D'autres, c'est 18 ans, 20 ans. Bon, selon les statistiques, la majorité du monde qui vient à Dieu, c'est vers la fin de... la fin de l'adolescence, on pourrait dire, début vingtaine, jeune adulte. Bon, il y en a qui viennent plus tard aussi. OK. Jésus nous invite à faire partie d'une grande aventure. Ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi, tu sais, quand il dit « qu'est-ce qu'il y a pour moi dans ça? » Bien, il y a une invitation à construire le royaume de Dieu avec Jésus. Jésus nous invite avec lui, il dit « viens, suis-moi. » Hein, c'est ce qu'il a fait avec les disciples. Il va sur le bord de l'eau, il voit les Pierre, il voit après ça les frères, les fils de Zébédée, là, je pense que c'est Jacques, puis André, ou, je ne me souviens pas. Puis ils appellent. Ces gens-là, bon, il y a des business, c'est des pêcheurs, pêcheurs de poissons. Hein. Mais puis, ils abandonnent tout ça pour s'en vont suivre Jésus. Est-ce qu'on est tous appelés à faire ça? Non. Il y a des gens que je pourrais dire que Dieu va demander de garder ta place là. Puis ça va être un aussi grand combat que l'autre qui abandonne. Des fois, de rester où est-ce qu'on est là, dans une place où c'est hostile, puis c'est difficile, bien, ça se peut que le Seigneur me dise, bien, c'est là que je t'appelle. OK. Jésus, il nous dit, dans Jean 14, 2, il dit, « Je vais vous préparer une place. » OK? Ça fait partie de l'appel. Il dit, ça donne quoi? Bien, une des choses que ça va te donner, c'est que je m'en vais au ciel, puis je m'en vais te préparer une place. Ça, c'est une des choses qui nous donne. Qu'est-ce qu'il y a pour moi dans ça? Bien, il y a une maison dans le ciel qui m'attend. Hein? Je me souviens, un frère s'appelait David Duplantis. Il l'appelait Monsieur Pentecôte. Si vous fouillez dans Internet, vous allez trouver des choses sur lui. Puis, lui, il disait qu'à un moment donné, il y a eu une espèce de vision. Il était amené au ciel. Puis, il y avait un ange qui le suivait. Puis, il l'a emmené dans la maison qui était préparée pour lui au ciel. Puis, il disait qu'il se promenait là. Puis, un des affaires qu'il voyait, c'est qu'il y avait des fleurs. Pendant qu'il passait, les fleurs le suivaient du regard. Il se tournait pour comme le suivre. Puis l'autre chose, lui, c'est un genre de maniaque de gazon. Puis il disait, le gazon, il est parfait, le gazon est parfait. Puis là, l'ange s'est tourné vers lui, puis il dit, ben oui, on le sait que tu veux ça comme ça. C'est que tu aimes le gazon. On sait que tu aimes ça bien fait. On sait, puis c'est pour ça qu'on l'a fait. Parce qu'on l'a préparé pour toi spécifiquement. La place... On a tenu compte de tes goûts, tes désirs. On a préparé ça. Il y avait plein d'autres choses aussi. Il disait, une des choses qu'il disait, il disait, les gens qu'on a entretenus du Seigneur sur la terre vont pouvoir être reçus dans notre maison tous ensemble, autour de la table. C'est que là, il parlait de... À un moment donné, il voyait la maison d'Abraham. Puis là, c'était pas une maison, c'était que presque... un océan où tellement il y avait de la place. Tous les fils d'Abraham qui ont vécu dans l'histoire, les enfants d'Abraham, il va pouvoir les recevoir en même temps. Mm. Ben, tout ça pour vous dire que Jésus nous prépare une place. Il y a un frère, je pense, c'est Keith Green, un chanteur. Et lui, il disait, imaginez-vous, la Terre a été créée en 7 jours, tout ce qu'il y a dedans. Puis là, ça fait 2000 ans qu'il est parti pour construire de quoi? Imaginez-vous qu'est-ce que ça va avoir l'air. Comment ça va être extraordinaire. Tout ce qu'on voit là, c'est 7 jours, puis là, ça fait 2000 ans qu'ils construisent, ils font quelque chose. Ça va être extraordinaire. Puis ça, il faut qu'on ait cette glorieuse espérance-là qu'un jour, le Seigneur va venir nous chercher, on va être avec lui dans le ciel. Ça, c'est une des choses que quand on dit, bien, ça donne quoi d'être chrétien? Bien, une des choses que ça donne, c'est ça. C'est que quand on meurt, on s'en va au ciel. On ne s'en va pas avec une arbre, c'est un nuage. Là. Dans la Bible, ça dit qu'il y a des villes, il y a des animaux, il y a des personnes, il y a des organisations, il y a tout un monde qui est là. Puis la chose qui va manquer au ciel, c'est le péché. On pourrait dire que ça ne manquera pas beaucoup, là, mais ce qu'il n'y a pas, c'est le péché n'est pas là, puis ni celui qui a amené le monde dans le péché. Le diable et ses acolytes ne sont pas là au ciel.
ceux qui sont au ciel, c'est ceux qui ont désiré y aller à partir d'ici, là. Tu ne décides pas d'aller au ciel après que tu es mort, tu décides pendant que tu es vivant. Hein? Puis ça dit dans Paul, il nous dit, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est que toute l'idée de la réincarnation, ce n'est pas dans la Bible, puis ce n'est pas biblique, puis ce n'est pas d'accord avec ce que Dieu dit. Les gens peuvent dire n'importe quoi. Nous, notre croyance est alignée avec ce que Dieu dit. C'est qu'on est unique. C'est que je ne peux pas arriver au ciel avec 10 000 personnalités qui se sont échelonnées sur l'histoire, là, en m'étant réincarné des milliers de fois. Ça ne fonctionne pas, ça. Chacun de nous autres, on est unique à partir de notre naissance jusque dans l'éternité. Puis il n'y a pas de dédoublement de personne, il n'y a pas rien, c'est moi qui vais être là, vous, chacun de nous unique, qu'on va se reconnaître. Selon la Bible, on va avoir un corps glorifié, c'est que notre corps va être en meilleur état qu'il est là actuellement. Ça, c'est encourageant aussi. OK. Jésus dit, il y a plusieurs demeures, ça c'est dans Jean 14, 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures. Des demeures, des places que Dieu a préparées pour nous autres. Jésus est là, il prépare ça. Il nous attend. Il désire. Les gens que, si vous, encore là, si vous fouillez ou lisez des gens qui ont eu des expériences, il y a un mot pour dire ça, je ne me souviens pas, mais qui meurent puis qui finalement reviennent sur la terre, bien, il n'y a personne qui a été au ciel, qui est revenu, qui ne voulait pas rester là-bas. Toutes les fois que j'ai entendu un témoignage comme ça, le Seigneur le commandait de revenir, puis il ne voulait pas revenir, parce que ce qu'ils ont vu de l'autre côté, c'était tellement extraordinaire qu'il n'y avait rien qui les poussait à revenir ici sur la terre. Okay? Ça fait partie de l'héritage qu'on a comme chrétien. Ce que Dieu désire, c'est qu'on participe, puis aussi qu'on invite les autres. Je vous ai parlé l'autre jour là, de l'escapology, de la théologie de la fuite. Que dans le fond, finalement, maintenant que moi, je suis sauvé, the hell with other, là, mais en anglais, ça dit que les autres crèvent. Là, mais ce n'est pas ça que le Seigneur voit. Il veut que moi, j'aille au ciel absolument, mais il veut que j'invite d'autres. Puis, tu sais, nous, on devrait être des gens qui disent « Attends, Seigneur, attends un petit peu avant de revenir, je prends à ramasser un autre. » Plutôt de dire « Ben moi, Seigneur, viens me chercher, puis les autres. » Puis, il faut que ça change, cette mentalité-là d'égoïsme. L'autre jour, je vous ai parlé des entrailles de miséricorde. Tu sais, la semaine passée? Oui, entrailles. Bon, je pensais à ça cette semaine, je me disais, tu sais, les entrailles de miséricorde, je ne peux pas les avoir pour moi-même. Comprenez-vous? Une compassion qui fait mal pour moi-même, là, ça, c'est de l'égoïsme à l'extrême. Mm. Ce n'est pas des entrailles de miséricorde. Les entrailles de miséricorde, c'est vers les autres. C'est jamais vers moi. Tu sais, j'ai tellement compassion de moi-même que je ne pense plus à personne d'autre. Hein? Ça, je sais pas, ça fait un peu drôle hein, d'entendre ça. Là. C'est que si vous avez des entrailles de miséricorde un petit peu trop fortes pour vous-même, bien, repentez-vous. Mm-hmm. Demandez au Seigneur de changer votre cœur. Mm. Parce que ça ne fait pas partie de ça. Puis, quand il parle ici, on va préparer une place, bien, que notre désir, ce soit, Seigneur, je veux en amener d'autres avec moi. Okay? Il nous invite, puis il veut qu'on invite d'autres. Mm. Dans Matthieu 22, 2, c'est Jésus qui parle à des gens religieux, à des pharisiens. Les pharisiens, c'est comme des prêtres de son époque, là, des gens qui... religieux, c'est ça. Des leaders religieux en particulier. Là. Donc, Jésus leur parle, il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Quand il leur dit ça, eux autres sont en train de trouver de quoi pour l'accuser. Tu sais, Jésus, là, il l'accuse, fait des miracles dans la mauvaise journée, il se tient avec du mauvais monde... il ne devrait pas guérir tel groupe. Puis il ne s'est pas lavé les mains. C'est toutes sortes de choses. Ils sont prêts à voir le miracle. Ils voient juste ce qu'il y a autour qui ne marche pas. Puis ça, ben, faut faire attention que nous, on ne devienne pas comme ça. Parce que là, il s'adresse à des gens religieux. Puis
honnêtement, les gens religieux dans le Québec, là, c'est nous autres. Mm-hmm. On aime ça croire que c'est l'autre église là-bas, là. Mais les gens religieux, c'est nous. Okay, la religion, ça a toutes sortes de formes. Moi, j'ai grandi dans une église où est-ce que si tu n'avais pas de cravate, tu étais mal vu, mettons. C'est-tu bon, ça? Puis après ça, je suis allé dans un autre... Ouais, tu ne pouvais pas rien faire dans l'église si tu n'avais pas une cravate. Ouais. Après ça, je suis allé dans un autre groupe là, que si tu avais une cravate dans ce groupe-là, tu étais presque un idiot. Là. Là, eux autres, ils avaient des jeans puis des chemises carottées et tout ça. C'est que, voyez-vous, il était aussi religieux que l'autre avec sa cravate, là. C'est juste qu'il n'y avait pas la même religion, si on peut dire ça, tu sais. Puis la façon de placer les chaises, la façon de la musique. Tu sais, la religiosité négative, ce qui n'est pas bon dans la religion, c'est comme un serpent, là. Ça s'en va de tous les côtés. Puis ça s'attaque facilement. Les humains sont profondément religieux. Puis le Seigneur, lui, il n'est pas religieux. Il est relationnel. OK, le royaume des cieux. Matthieu 22, 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Le roi, c'est Dieu le Père. Le fils, c'est Jésus. Là. Il envoyait ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Okay. Il y a une invitation à des gens spéciaux. Dans ce cas-là, ici, Jésus s'adresse directement aux gens religieux de son époque. Il dit, c'est vous autres qui êtes les premiers invités à ces noces-là. Ça a été destiné pour vous autres. Mais ça dit, ils ne voulurent pas venir. Là, en verset 4, il envoyait encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Il revient encore, puis là, il insiste encore. Il y a d'autres gens qui retournent pour dire, bien là, c'est prêt, là, faut vous venir, c'est important. Au verset 5, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, des gens qui faisaient du commerce. Ils ne se sont pas inquiétés de l'invitation. Faites attention à ça. Nous, comme chrétiens, les gens, comme je vous dis, on est les gens religieux, là, de faire attention. Jésus nous invite dans quelque chose. Puis ici, il dit qu'ils ne se sont pas inquiétés de ça. Ce n'était pas une priorité pour eux autres. On a d'autres choses à faire. Là, un peu ce que Moïse a dit à Dieu. Hein, envoie quelqu'un d'autre. Quand Dieu l'a appelé, Moïse il dit « Envoie qui tu voudras ». Puis on voit ça dans d'autres places dans les Écritures, que Dieu appelle des gens, puis ils se tournent de côté finalement, puis ils disent, ben oui, donc quelqu'un d'autre. Ah oui, Julienne, Seigneur, là, moi, j'ai d'autres choses à faire. OK. Et ils s'en allèrent, donc okay, le chandier au verset 6. Et les autres se saisirent des serviteurs et les outragèrent, les tuèrent. OK. Là, il parle encore des gens religieux, il dit, ce monde-là, en plus de ne pas venir, ils se sont fâchés, puis ils ont tué, puis ils ont malmené ceux qui venaient les inviter. Puis souvent, les gens qui ont fait crucifier Jésus, finalement, c'est les gens religieux de son époque. Puis moi, j'ai remarqué, quand Dieu est à l'œuvre dans une place, ça peut être une ville, un État, où souvent, les premiers qui se lèvent contre le mouvement de Dieu, c'est les gens qui se proclament être croyants. Voyons donc, ça se peut pas, c'est pas de Dieu, Dieu agit pas comme ça, s'il agirait, il passerait par nous autres, parce que ça se peut pas qu'il passe par quelqu'un d'autre. Puis toute cette pensée-là est là. Puis souvent, les gens qui vont condamner l'œuvre de Dieu, c'est les gens qui se réclament religieux eux-mêmes. Puis ça, il faut qu'on fasse attention, tu sais, quand je vous dis de faire attention, je peux pointer les autres du doigt, mais moi, est-ce que quand quelqu'un qui ne fit pas dans mon modèle religieux est utilisé par Dieu, est-ce que je deviens suspicieux presque immédiatement? Tu sais, si Dieu, je ne sais pas, fait des miracles par un prêtre catholique, est-ce que moi, ma première réaction, c'est de dire, ça ne se peut pas que Dieu se serve de cet homme-là?
ou si Dieu utilise quelqu'un dans la rue que, ou un pasteur évangélique ou un pasteur baptiste ou un pentecôtiste ou quel que soit le groupe évangélique, l'Église anglicane, puis parce que ces gens-là, ils ne pensent pas exactement comme moi, qu'immédiatement je rejette la possibilité que Dieu pourrait les utiliser. Puis souvent, on voit, même il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est sûrement le diable. » C'est sûrement le diable. Le diable est rendu un évangéliste à certaines places. Je trouve ça bizarre un peu. OK. J'avais-tu l'air de dire ça? Mais bien sûr. OK. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Wow! Hein? Vous savez que c'est arrivé, ça? Après que les Juifs ont rejeté Jésus, la ville de Jérusalem a été brûlée, a été détruite, puis les Juifs ont été dispersés dans le monde entier. Bon, en disant ça, je veux être clair là, que je ne pense pas que les Juifs sont plus coupables de désobéissance à Dieu que nous autres. Là, c'est parce qu'on parle d'eux, là. Mais chacun de nous autres, on pourrait dire qu'il y a un juif, un rebelle à l'intérieur de lui, là, si on peut comparer. Puis dans chacun de nous autres, il y a un pharisien puis un salducéen. Oui, c'est ça. L'idée, c'est qu'il ne faut pas qu'il prenne trop de place. Mais il est là en tour de la surface. Puis il est j'ai vu dans ma vie et dans la vie de tellement de monde qui le pharisien dans nous, il vient tellement facilement en surface. Mm. Des fois, ça en est décourageant. je viens à rire de moi, là, parce qu'elle me voit dans ça. Là. OK. verset 8. Alors, il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Mm. » Ça, c'est grave parce qu'il dit, tu sais, le premier groupe que j'ai invité, là, c'est vous autres, là. Puis là, il dit, dans le fond, pourquoi vous n'êtes pas digne? Parce que vous n'êtes pas capable de voir la grandeur de l'invitation qui vous a été faite. Puis vous avez mis d'autres choses en priorité. Puis là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, allez donc dans les carrefours. OK? En anglais, ça dit highway and byway. Hein? Allez un peu partout sur les chemins, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. OK? Là, dans le fond, le premier groupe que Dieu invite, c'est les gens religieux. C'est les gens qui, tu sais, qui ont consacré leur vie, comme nous autres. Ça fait 40 ans là, qu'on suit le Seigneur. On est les premiers invités dans ce que Dieu veut faire. Pas parce qu'on est plus fin que d'autres, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais est-ce que quand il nous invite, nous autres, on va dire, ah, j'ai d'autres choses à faire, je suis tanné, envoie quelqu'un d'autre, c'est trop dur. Puis là, ben, je suis en danger d'être rejeté. Puis, tu sais, quand on parle la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, ben ça, c'est une crainte qu'on devrait avoir chacun de nous autres, là. Que Dieu m'invite à quelque chose, puis que moi, je ne le vois pas ou je suis insensible. Puis je m'inquiète pas de cette invitation-là. Je m'en fous, finalement. Ça serait la pire chose qui pourrait nous arriver. Là. Puis même ici, qu'est-ce qu'il dit? Il va plus loin. Il dit que ça nous met en danger d'être rejeté. Mm-hmm. En plus de ne pas participer, tu es rejeté. Ce n'est pas juste dit, Dieu ne dit pas assis-toi dans le fond de la salle. Là. Il dit non, tu sors dehors. Ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. Là. Fait que gardons cette crainte-là, pas une peur là, que, comme si Dieu va m'assommer. Là. La peur, c'est de moi que je dois avoir peur. C'est pas de lui. D'avoir peur de ma propre réaction, de ma nonchalance, si on peut dire. D'avoir peur de ça. Il faut vraiment qu'on soit conscient de ça, que c'est possible que nous-mêmes, on se disqualifie. Là, ici, si vous regardez, il envoie des serviteurs pour les inviter. Il renvoie des serviteurs pour les inviter deux fois. Fait que c'est pas sur le côté de celui qui invite là, qui a un problème. C'est le côté de ceux qui sont invités. C'est pas Dieu qui me rejette. Dans le sens,
Mais c'est moi qui dis, bon, ah, ça ne m'intéresse pas ce que tu veux. Bien, soyons, comment je dirais, ayons la crainte de nous-mêmes de passer aux côtés d'une invitation qui est extraordinaire. Dans un autre passage, ça parle, ça, c'est les heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Hein? C'est les noces de l'agneau, les noces de Jésus. On est invité là, on doit être heureux, puis on doit, comment je dirais, accrochez-vous à l'invitation, le petit papier, là. Tu sais, le petit papier, là. Mon invitation. Je la garde précieusement. Je n'irai pas la lancer puis la laisser traîner. C'est une invitation qui est extraordinaire que Dieu veut qu'on fasse, qu'on prenne ça au sérieux, ce que je veux dire. OK. Là, il dit d'aller un peu partout, puis ramasser tous ceux que vous trouverez. Là, il y a plus de qualification. Le premier groupe qui est invité, c'est le monde religieux. Puis après ça, il dit, ben, les autres, ils veulent pas n'importe qui, ça passe. Là, ils vont dans les rues. Puis dans le fond, c'est quoi l'Évangile? C'est ça. C'est la bonne nouvelle que tout le monde est invité aux noces de l'agneau. Tout le monde, du pire au plus pire, le bon, la brute et le truand, tout le monde est invité. Puis nous, ce que Dieu nous demande, c'est va, puis invite tout le monde. Va pas leur dire qu'ils sont en enfer, va leur dire qu'ils sont invités aux noces de l'agneau. Puis que l'agneau, puis le Père, le Fils, puis le Père, ils désirent grandement, ils ont tout préparé, puis ils veulent que les gens viennent. Tout le monde, du pire, ils sont invités. Puis les meilleurs aussi. Hein? Si je me repère, moi, puis de ma religiosité, puis de ma tiédeur, ben le Seigneur va me recevoir aussi. Là. Okay? Il n'y a jamais un cas qui est trop loin pour pas que Dieu puisse le racheter. Tu ne peux jamais tomber d'un trou assez creux que Dieu ne peut pas te sortir de là. Mais il faut que tu cries, par exemple. Hein? Puis, OK. La bonne nouvelle, bon, le mot évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Hein? C'est ça, la bonne nouvelle. Bon, si vous témoignez à des gens, essayez de vous en tenir à la bonne nouvelle. Il y a trop de monde là, qui nous parle et qui dit « Ouais, j'en connais du monde de ta gang, là. » Puis ils se pensent plus fin que les autres. Puis bon, il y a toute cette pensée-là. Pourquoi? Parce que c'est comme si je fais sentir à l'autre que inférieur, puis comme dire, ben moi, je t'ai invité, mais toi, pas sûr. Des jugements. Puis ça, c'est beaucoup les gens religieux. Quand Jésus adresse ça aux pharisiens, c'était des gens qui disaient, ben moi, je peux aller aux noces, mais pas toi. Hein? Pas lui, là-bas, là. Lui, il ne peut pas être invité. Il faut qu'il soit saint comme moi. Mais cette pensée-là, les gens à qui on témoigne, ils le ressentent. Tu sais, quand je me pense meilleur que les autres, là, c'est dur à cacher, ça. Et puis, ça prend vraiment quelqu'un d'imbécile pour ne pas le voir. Puis, du monde imbécile, il n'y en a pas tant que ça. Là. C'est qu'ils voient qu'on se pense supérieur à eux. Puis, ça l'étouffe le message. Puis, restons là. Si vous avez été invité aux noces de l'agneau, vous êtes peut-être fait partie du groupe qui était disqualifié en partant, puis que juste parce que les autres n'ont pas voulu, vous avez rentré, là. C'est que, comment je dirais, garder un profil bas. Gardons un profil bas. Parce qu'on était invités, puis on sait que, dans le fond, ce n'était pas nous autres les vrais invités, là. Mais on était invités quand même. Merci, Seigneur. OK. La bonne nouvelle, c'est qu'on est invités de participer, puis aussi, on est invités à inviter. Parce que quand ils envoient les serviteurs, les autres participent, puis invitent. Ça, c'est notre rôle. Okay? Prenez dans les actes des apôtres, qu'est-ce que les apôtres font finalement? C'est ça qu'ils font. Hein? Le Saint-Esprit les a donnés, ça lui donne du courage, de l'audace pour aller vers les autres. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est quand on reçoit le Saint-Esprit, on est capable de visualiser les noces de l'agneau. De voir le
plus grand party de l'histoire de l'humanité. On est invité. Puis normalement, ça devrait produire quelque chose dans nous autres. Premièrement, le désir d'être là au plus vite. Hein? Paul il dit, tant qu'à moi, je partirai tout de suite, mais à cause de vous autres, il faut que je reste. Dans le fond, dans lui, il y a ce désir-là d'être avec le Seigneur. Puis il dit, mais à cause de vous autres, il faut que je reste en arrière parce que vous avez besoin de moi. Ça veut dire que dans nous autres, il y a une espèce de dualité. Seigneur, viens me chercher au plus vite. Mais de l'autre côté, Seigneur, attends un petit peu parce qu'il y a encore du travail à faire ici. Là. Il y a encore quelqu'un qui a besoin de moi, il y a encore quelqu'un. Puis pas dans le sens je suis essentiel, puis le monde va s'effondrer si je ne suis pas là, mais dans le sens, Seigneur, je peux-tu en faire encore un peu? Pas pour me racheter, ou simplement par amour du Seigneur, puis par amour de mon prochain. Hein? Aime ton prochain comme toi-même. T'sais, moi-même, je vais aller au ciel, ben, je veux que mon prochain soit avec moi aussi. Okay? On voit dans les apôtres ce désir-là que les autres participent. Il y a une inclusion qui est là. C'est pour ça que l'Évangile s'est répandu dans le monde entier d'une façon extraordinaire à cette époque-là. Mm-hmm. Puis même aujourd'hui, je disais ce matin que le président de la Chine il commence à avoir peur parce qu'il y a une révolte en Chine. Parce qu'il y a 300 millions de chrétiens en Chine. Oh là là! Je disais ça ce matin. Puis là, eux autres, bon, vous savez, on a vu l'autre semaine que les chrétiens, c'est du monde qui a un autre système de valeurs que dans la place où est-ce qu'ils sont. C'est que dans un système totalitaire, les chrétiens, c'est jamais bien vu. En Russie, à l'époque, au Moyen-Âge, les chrétiens, ils n'étaient pas bien vus parce qu'ils ne se plient pas aux règles du monde. Pas dans le sens que c'est des gens qui se révoltent, qui mettent des bombes, là. C'est pas ça que je dis. C'est des gens qui ont un système de valeurs qui est différent. Puis là, on voit que, je disais ça ce matin, là, 300 millions de chrétiens, ça c'est juste en Chine. Wow. Puis j'ai entendu aussi des gens en Europe qui me disaient que les Chinois ont commencé à aller faire l'évangélisation dans d'autres pays. Ils se déplacent en groupe et ils font l'évangélisation. Ils vont peut-être nous évangéliser, ça va faire du bien. OK. Le désir, c'est que tout le monde puisse participer aux noces de l'agneau. Puis essayons de ne pas disqualifier personne. Essayons de ne pas le faire. Okay? Les signes, les prodiges donnent le goût, le désir au niveau invités, de se préparer à leur tour à inviter. Okay? Qu'est-ce qui se passe? On voit ça dans acte 1 au chapitre 1. Hein? Voici ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Ça veut dire qu'il fait un miracle, après ça, il l'enseigne, après ça, il t'envoie le faire seul. Ça veut dire que puis c'est de même que les apôtres se sont reproduits, là. Quelqu'un donnait sa vie, l'eunuque éthiopien, ça c'est dans les Actes des Apôtres. C'est un monsieur d'Éthiopie, c'est un pays au sud d'Israël. Il est venu là pour à Jérusalem, puis il a accepté le Seigneur. Puis selon la tradition, c'est lui qui a ramené l'Évangile en Éthiopie, puis qui a des églises là, de millénaires en Éthiopie. Si vous fouillez dans Internet, il y a des églises qui sont creusées dans la terre, c'est tout un affaire. Mais cet homme-là, il connaissait presque rien. Là. Philippe qui l'a invité, qui l'a évangélisé, l'a baptisé, mm-hmm. puis il l'a laissé là après. Cet homme-là, il est parti. Il avait juste, il était mal pris, il avait juste le Saint-Esprit avec lui. Pour l'enseigner. Mm-hmm. Puis il est retourné puis il a emmené l'Évangile en Éthiopie, dans un autre pays. Fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu. Puis il est retourné, puis il reproduit ce qu'il a vu. C'est que même si quelqu'un est très peu d'instruction dans le Seigneur, est capable de faire l'œuvre de Dieu quand même. Ça donne le goût de se préparer, puis à notre tour d'inviter les autres. Un des signes de la conversion, c'est le désir de partager ce qu'on a vécu. Comme
c'est comme si des habits de noces nous étaient donnés pour distribuer. On va voir, je reviens dans Matthieu 22, au verset 10. Ça, c'est la suite de ce que j'ai tantôt. Là. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Hein? Dieu, il invite des méchants? Moi, je pensais mon église était juste du bon monde. Quoi penser de ça, là? Et la salle des noces fut pleine de convives. Hein? Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Ils aperçurent là un homme qui n'était pas revêtu d'un habit de noces. OK? Ça aussi, c'est important, ce passage-là. Ça dit, ils sont allés, puis ils ont donné des habits. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Ça dit que celui qui invitait, il fournissait le linge, hein, l'habit de noces. Il invite, il te nourrit, puis en plus, t'habille. Hein, ça dit comme c'est un offre que tu ne peux pas refuser. OK. Là, il y a quelqu'un qui réussit à rentrer là, puis il n'y a pas d'habit. On pourrait dire rentrer par infraction. Le roi entra au verset 11 pour voir ceux qui étaient à table et aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » OK. Ça, c'est important. J'ai un frère, il s'appelle Marc Yo. C'est un frère de Caroline du Nord. Puis il a eu une vision à un moment donné. Ça dit que le Seigneur, c'est la porte de la bergerie. Si quelqu'un rentre par un autre que la porte, c'est un imposteur. Mm-hmm. OK? Puis ici, c'est ce qui se passe. La personne a réussi à rentrer dans la bergerie, mais dans la noce, mais il n'a pas passé par la porte parce qu'il l'aurait vu. Dans la vision du frère Yo, il est dans la bergerie, puis le Seigneur vient vers lui, puis il le regarde, puis il dit, « Tu as passé par-dessus le mur pour rentrer ici. Il faut que tu ressortes, puis tu rentres par la porte. » Puis ce frère-là, c'est un chrétien solide, là. Puis je pense qu'il y a une couple d'années qu'il nous avait partagé cette vision-là. Oui, à peu près. Puis je voyais ça avec ça ici. Cet homme-là, il réussit à rentrer dans la noce. Il n'a pas le vêtement. Il n'a pas rentré selon les règles. Puis ça, c'est important parce que si on parle des noces de l'agneau, on parle de rentrer dans la bergerie, il n'y a pas de raccourci. Juste une porte. Oui, il n'y a pas de buffet chinois. Hein? C'est quoi le buffet chinois? Je prends juste ce que je veux. Dans l'Évangile, là, tu sais, il y a les affaires qui font mon affaire, les affaires qui ne font pas mon affaire, je les mets de côté ou j'en prends pas. Ça n'existe pas. Si tu veux rentrer dans les noces de l'agneau, il faut que tu suives les règles. Mm-hmm. Dans ce cas-là, il y a une règle assez simple, il faut tailler le vêtement. Là. Puis même si tu es méchant, tu es tordu, pas de problème. OK? Pas de fausse religion. Tu sais, l'idée que toutes les religions mènent à Dieu, c'est pas biblique, ça. Puis c'est pas parce que nous autres, on pense qu'on est plus fin que les autres, là, c'est parce que Dieu l'a dit. Puis si je crois l'Évangile, ben je crois l'Évangile. Si je crois pas, ben là, je suis en danger. Dieu me rejettera pas, c'est moi-même qui va le faire. Puis l'autre chose qui rentre pas dans ça, c'est ma propre justice, hein? En anglais, ils disent « self-righteousness », que je me pense tellement bon que moi, je n'ai pas besoin du vêtement. C'est quoi ce vêtement-là? On va le voir plus bas, là. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça, c'est pas moi qui écris ça. Je ne le commenterai même pas. Mais vous le lirez, c'est dans votre Bible. Car il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Hein? La voix est sortie, il a appelé dans les noces, là, il y a le premier groupe, il semble qu'ils ont été disqualifiés. Là. Puis même là, dans le deuxième groupe, il parle de un qui dit, ben, tu ne suis pas les règles, tu vas être disqualifié. Bon, est-ce qu'on peut être disqualifié? Ben, selon ce qu'il dit là, oui. Est-ce qu'on peut s'épargner des disqualifiés? La réponse est oui aussi.
Il s'agit simplement de lire, chercher c'est quoi les règles. C'est quoi les règles de la place. Puis suivre ces règles-là. Puis si on ne les suit pas, bien, se repentir, demander pardon. OK? Dans l'Apocalypse 7, 14. Hein, puis là, ça, c'est Jean, l'apôtre Jean, qui demande au... à l'ange qui le suit, il pose une question, puis ça dit, « Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Quand il parle des vêtements ici, c'est de ça qu'il parle. Oui, puis plus bas, dans un autre passage, ça dit, dans Apocalypse 22, 14, « Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. » Qu'est-ce que ça dit? C'est le vêtement que Dieu nous donne, c'est un vêtement de justice, pas de ma justice, mais de sa justice qui est mise sur moi. C'est ça qui me donne accès. Il n'y a rien d'autre. C'est le vêtement qui est lavé dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est quoi? C'est Jésus, son sang coulait à la croix, pour que moi, je puisse avoir le pardon de mes péchés. Puis le vêtement qui est lavé dans le sang de l'agneau, c'est ce que Dieu met sur nous qui fait qu'on a accès dans le cas-là aux noces de l'agneau. Quand il parle de la grande tribulation, bien, je comprends là, qu'il y en a peut-être parmi vous qui disent qu'il y en a qui vont être enlevés avant les tribulations, après. On ne veut pas rentrer dans ce débat-là, là, mais ici, quand il parle de la robe, ce n'est pas juste ceux qui restent après. Là. On voit dans l'exemple des noces, la parabole des noces, ceux qui sont invités aux noces, ils doivent être revêtus de cette tunique-là qui est lavée dans le sang de l'agneau. Ça, c'est le salut par le sacrifice de Jésus. Ce n'est pas le salut par mes œuvres, ce n'est pas le salut par ma propre justice. C'est le salut parce que Jésus est mort à ma place, puis à cause de ça, je suis justifié, rendu juste. Okay? Rendu juste par le sacrifice de Jésus, pas par mes propres actions. Puis ça, cette justice-là, Dieu, l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est que c'est ça, c'est Dieu, il a des vêtements, puis l'image que je voyais, c'est comme si Dieu me mettait un paquet de vêtements sur le bras. Puis il me disait, je veux que tu ailles distribuer ces vêtements-là pour ceux que j'invite aux noces de l'agneau. Puis je crois que le Seigneur veut chacun de nous donner ces vêtements-là pour qu'on puisse les distribuer puis inviter des gens aux noces de l'agneau à cette grande fête-là qui est la plus grande party qu'il va y avoir dans l'histoire de l'humanité. Dieu, il veut qu'il y ait beaucoup de monde. Quand il dit, il y a... beaucoup d'appelés, peu d'élus, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir trois personnes. Là. Hein? Aujourd'hui, il y a plus de chrétiens qui vivent sur la terre que ceux qui ont vécu depuis l'époque de Jésus additionnés ensemble. Juste, ben, prenez l'exemple des Chinois à 300 millions, juste la Chine, en Inde, je ne sais pas combien, dans les pays musulmans, en Amérique du Nord, en Afrique, en Amérique du Sud. Il y a plus de chrétiens vivants aujourd'hui qu'il y en a eu dans toute l'histoire. C'est que la fête des noces de l'agneau, ça va être la plus grande fête qu'il y aura jamais eu dans l'histoire. Et ce ne sera pas un petit party avec deux, trois invités. Pourquoi? Parce que le Seigneur désire que tout le monde soit sauvé. Qu'est-ce qu'il veut, c'est que nous, on sorte, qu'on aille distribuer des vêtements, puis qu'on invite les gens aux noces de l'agneau. C'est ça l'Évangile. Tu es invité, mon ami, à participer à la plus belle histoire de l'histoire de l'humanité, l'histoire de Jésus qui se continue jusqu'à aujourd'hui. Amen. 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 OK, je vais prier. Seigneur, je te bénis, Seigneur, parce que tu désires encore, Seigneur, nous faire participer, qu'on soit présent, Seigneur, aux noces à ces noces-là, les noces de l'agneau, Seigneur. Tu désires qu'on s'implique aussi pour aller dans les rues, dans les carrefours, pour inviter d'autres. Seigneur, tu as pourvu, Seigneur, tous les vêtements qui sont nécessaires pour participer, Seigneur. Seigneur, je te demande de garder nos cœurs, qu'on ne soit pas des gens qui sont tièdes,
qui ne voient pas la grandeur de ce que tu as pour nous, Seigneur, mais qu'on soit reconnaissant, qu'on soit attentif, Seigneur, quand tu nous invites, qu'on ne soit pas mis de côté ou rejeté, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir les yeux ouverts, à s'aider, s'encourager les uns les autres à garder les yeux ouverts. On vit dans un temps difficile où il y a une tiédeur qui s'installe. Aide-nous, Seigneur, à garder, Seigneur, la flamme. Oui, Père, je te bénis, je te demande de bénir chacun, chacune qui écoute ce message-là, puis qu'on puisse se réjouir qu'on ait été invité aux noces de l'agneau. Puis que, Seigneur, ça nous pousse à aussi à aller vers les autres, à les inviter, à répandre l'Évangile, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Merci. Merci. Soyez bénis. Oui, tu as dit J'ai juste un petit coucou à dire à quelqu'un. Il s'appelle Jacob, entre autres. Bon, je le connais, un petit garçon. Il se connaît. Je veux juste lui dire qu'il n'est pas oublié, que je vais lui préparer un petit quelque chose à poster bientôt. Un message, je sais peut-être très bien. Il sait très bien de quoi je parle. Non, Jacob, tu n'es pas oublié. Amen. Amen. On t'aime beaucoup. C'est bon, c'est bon. Merci, Seigneur. OK, merci à tout le monde. Soyez bénis. Bonne semaine. On a toujours hâte de vous voir. Hein. N'oubliez pas, même les gens de la France, surtout les gens de Hugo. Saludos, pastores. Oración Vicky, Angeles, Hugo. Amen. On vous aime. Merci.